Il est difficile en cette période de coronavirus pour le patronat, les travailleurs, de se retrouver pour célébrer la fête du travail ce 1er mai au Gabon. Cette année, toutes les forces s'unissent pour lutter contre la propagation du virus et vaincre la maladie en l'absence de festivités. Afrique francophone tient à renforcer sa capacité à préserver l'unité des travailleurs, des fonctionnaires en particulier et des travailleurs en général, en se mobilisant et en s'organisant pour la défense de leurs droits à de meilleurs salaires, à l'amélioration des conditions de service et à poursuivre leur lutte militante. La solidarité nationale devra être au centre des préoccupations des syndicalistes qui envisagent soutenir les dirigeants en cette période de confinement. Nous devons avoir à l'esprit, nous, la société civile, d'être des instruments de renforcement de la sécurité sociale dans les prochains jours, parce que la sécurité, ce n'est pas seulement le salaire. Nous avons vu les faiblesses du salaire dans cette période-là. Les salaires n'ont pas suffi, même pour ceux qui les avaient. Occasion pour les syndicalistes de rappeler au ministre de la fonction publique l'engagement qui avait été pris avec les partenaires sociaux pour la valorisation et l'arrimage de la pension retraite au nouveau système de rémunération et la régularisation des situations administratives et financières des agents publics de l'État.